Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour, selon votre fuseau horaire, ici Lambert-Kwasi. Nous sommes dans le back-office de Blackford Exchange Network, BXN. Je vais vous montrer aujourd'hui, parler des grades, OK? En quoi est-ce que c'est rentable pour vous de monter en grade? Moi, je suis en train d'évoluer. Quand je rentrais, j'étais 600, j'étais au rang 600. Aujourd'hui, je suis arrivé au rang 143 dans le monde entier, c'est pas mal. Ça fait une semaine, je suis rentré le 7 de ce mois, le 7 mai. Nous sommes aujourd'hui au 14 mai, OK? Donc, ça fait une semaine. Et en une semaine, j'ai pu avoir plus de 1 300 euros, OK? C'est pas mal non plus. En une semaine, mes notes ont pu produire plus de combien? Plus de 4 426, c'est pas mal non plus. OK, voilà. Alors, rapidement, on va aller sur la page Referral et je vais vous expliquer un peu les grades, en quoi est-ce que les grades sont vraiment rentables pour vous. Et puis, je vais profiter pour montrer le bonus d'équipe et puis comment vous pouvez faire de l'argent sur les grades. Alors, mesdames et messieurs, regardez ici. Ici, c'est les niveaux. BXN paye sur 15 niveaux. Dans un système unilevel, ça veut dire que, bon, sur le niveau 1, vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez, OK? Et en gros, le réseau peut, les gens peuvent se construire de façon horizontale et puis de façon verticale. Mais en verticale, ça s'arrête à la 15e génération, ce qui n'est pas mal. Pour un réseau qui peut se construire de façon horizontale, là-dessus, le niveau 1, il peut avoir plusieurs centaines ou même plusieurs milliers de personnes. Plusieurs centaines de personnes sur un niveau, etc. Donc, quand ça va de façon horizontale et de façon verticale en profondeur, ça peut être quelque chose de grand. C'est pour ça que ces gens du système, ils sont obligés de limiter les générations, soit à la 15e ou à la 12e génération. Bien, rares sont les systèmes de ce genre qui vont au-delà de 15 à 20 générations. Voilà. Bien, donc, en bas, ici, c'est le niveau. Ici, ce sont les rangs, le nom des rangs, des grades, silver, gold, pearl, opale, saphir, rubis, jusqu'à diamant, etc. Jusqu'à diamant bleu. Bien sûr, moi, je vais graver tous ces grades pour arriver jusqu'au dernier grade, diamant bleu. OK? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Ici, self-buy. Self-buy, c'est ce que vous avez payé vous-même comme masternode. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'argent, si vous voulez aller en grade, vous devrez augmenter votre pack parce que si vous augmentez votre pack à un moment, vous ne pourrez pas avoir certains pourcentages d'affiliation qui sont là dans cette colonne. Donc ici, c'est le chiffre d'affaires. On tient compte aussi de ça. Pour vous qualifier en grade, on tient compte de certains paramètres. On tient compte de ce que vous avez payé vous-même. On tient compte du chiffre d'affaires que votre équipe a réalisé, vous et votre équipe avez réalisé. On tient compte du comment on appelle, du nombre de filleuls directs que vous avez parrainés. OK. Et puis, il y a des conditions qu'on appelle rules qui sont par moi, on veut savoir tous vos points, ou bien le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires ne doit pas provenir, pardon, d'une seule branche. Il faut que ça provienne au moins de deux branches, d'où la condition 60 sur 40. C'est-à-dire qu'il faut que sur une branche, il y ait au moins 60, sur l'autre branche, il y ait au moins 40. Mais quand vous avez plusieurs branches, ça fait la chose, ça vous arrange parce que tout le monde n'est pas positionné sur une seule branche. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que le chiffre d'affaires ne soit pas réalisé sur une seule branche. Voilà. Et puis, ici, le nombre de fioles directs qu'on vous impose. Notez que vous devrez avoir au moins entre deux filleuls jusqu'à 10 filleuls. Est-ce que c'est ça? Ouais. Voilà, le nombre de filleuls directs qu'on vous demande, c'est jusqu'à 10. OK? Jusqu'à 10. Et quand vous êtes qualifié pour ça, quand vous avez tout ce qu'il faut,
aller évoluer, gagner de l'argent du premier niveau, première génération, OK, jusqu'à la 15e génération. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer étape par étape, comment vous pouvez avancer avec un tel système. OK? Bien. Le premier niveau, vous venez dans ce système, vous venez, lorsque vous payez 50 euros, OK, même si vous n'avez pas encore eu de chiffre d'affaires, vous avez 10% sur tous vos fuels directs, OK. Vous n'avez pas de bonus de rang, j'avais oublié de demander ça. Il y a des bonus de rang qu'on vous donne aussi également, OK, j'avais oublié de montrer ça, bonus de rang. Et puis, voilà, donc, c'est ça le premier niveau. Donc, notez que ce qu'il va dire ici, c'est que dès que tu deviens membre de ce système, juste en payant le tout premier petit paquet de 50 euros, tu as droit à 10% sur tous tes fuels directs en tant qu'un affilié. Affilié de personne, c'est-à-dire le pourcentage pour les affiliés. 10% de commission de parrainage direct. Donc, toute personne que tu vas mettre, si vous mettez quelqu'un, même si tu rentres à 50 euros, mais quelqu'un qui prend 1 000 euros, vous avez 100 euros. Quelqu'un qui prend 10 000 euros, vous avez 1 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Et puis, ça, vous êtes silver. Pour devenir gold, et quand vous êtes silver, d'abord, on peut payer ça sur trois générations. Une sur trois pour aller voir ton réseau ouvert sur trois générations. Juste parce que vous avez payé 50 euros. OK? On peut payer sur trois générations. OK, bien. Et vous avez 10%. Pour qu'on vous paye, OK? Pour qu'on vous paye, pour que quand vous devenez gold, qu'est-ce qu'un gold? Un gold, c'est quelqu'un qui a payé lui-même au moins 50 euros, mais et qui a un chiffre d'affaires de 500 euros. C'est-à-dire dans ton équipe, tous ceux qui sont venus, tes fuels directs et indirects, le chiffre d'affaires réalisé est de 500 euros. Même si c'est une seule personne qui a fait ça, c'est deux branches seulement qui ont fait ça. Les conditions de 60%, 60 à 40% ne s'appliquent pas à ça. OK? Ça ne s'applique pas jusqu'au grade de saphir. OK? Donc là, peu importe, mais c'est une seule personne qui a fait ça, qui vous aide à faire ça. Ces deux personnes, ce n'est pas un souci, vous comprenez là. Donc, 50 euros, vous devenez gold si et seulement si vous avez un chiffre d'affaires de 500 euros dans votre équipe. Là, vous êtes qualifié pour avoir 8% sur tous vos fuels, les membres du fuel, pardon, sur votre deuxième génération. Voilà, si vous voyez, sur une génération, les gens peuvent parrainer au moins 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes. Donc, si les gens parrainent autant de personnes dans votre réseau, en tout cas, notez que tous ceux qui sont vos sous-filleurs de la deuxième génération, vous avez 8% sur ce qu'ils dépensent comme argent là-bas. Vous comprenez? Et vous avez votre premier bonus qui est le 15 BXN qu'on vous donne, OK? Et pour ça, il faut absolument avoir deux fuels directs. OK. Ça vous qualifie, vous êtes payé jusqu'à la troisième génération sans souci. OK, bien. Donc, c'est bon. Pour devenir PL, il faut toujours avoir au moins trois fuels directs. Il faut avoir payé soi-même au moins 50 euros et le chiffre d'affaires réalisé est de 2 000 euros. Là, vous pouvez payer, vous pouvez gagner jusqu'à 6%. Même sur la troisième génération, vous avez 6%. Si vous comprenez là, voilà. Donc, tous ceux qui vont rentrer à ce niveau, vous avez ça. En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas vous qui parrainez ces personnes. Vous avez 6% sur ces personnes. Ceux du niveau 1, c'est vous qui les parrainez. Mais ceux du niveau 2, ce n'est pas vous qui les parrainez. Vous avez 8% sur tout ce qu'ils payent là-bas. Ceux qui sont au niveau 3, vous avez 6%, c'est pas mal. Notez que dans un système unilevel, ce n'est pas deux personnes forcément au niveau 1. Vous pouvez parrainer autant de personnes, multiplié par n personnes ici, OK, etc., etc., multiplié par n personnes. Donc, vous voyez le nombre de personnes qu'on peut avoir. Donc, ici, en tant que PEL, on vous donne 100 BXN et vous commencez à gagner de l'argent comme ça. Vous devenez Opal. Moi, je suis Opal actuellement. On demande que j'ai au moins trois fuels directs, chose que j'ai eu déjà. On me demande d'avoir au moins, moi-même, avoir payé au moins 100 euros. Moi, je suis rentré avec 1 000 euros. Donc, je suis largement en avant. On me demande d'avoir un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Je suis à 10 000 euros. Non, 11 000 euros de chiffre d'affaires actuellement où je vous parle.
Donc, j'ai largement dépassé ça. Donc, je gagne 5%. Donc, vous voyez que vos gains commencent à monter. Et puis, tu reçois 250 BXN, donc que tu peux aussi retirer. Notez une chose, regardez ici. À ce stade, je gagne 10% sur tous les gens de mon niveau 1, 8% sur tous les gens de mon niveau 2, 6% sur tous mes gars du niveau 3, ok? Et puis, 5% sur tous mes gars du niveau 4, etc. Bien, on continue. Et pour ça, il faut 3 filleuls. Et vous pouvez payer jusqu'à... les générations qui sont ouvertes sur lesquelles vous pouvez payer, c'est jusqu'à 6 générations. Allez, avec ça, vous êtes qualifié pour gagner l'argent jusqu'à 6. Si votre réseau se développe en profondeur, vous pouvez gagner jusqu'à 6 générations. C'est pas mal, n'est-ce pas? Bien. Donc, levels open, c'est-à-dire tous les niveaux, tous les paliers sur lesquels vous pouvez gagner l'argent, jusqu'à 6. Si vous êtes Saphir, pour devenir Saphir, il faut quoi? Il faut au minimum chiffre d'affaires, pardon, minimum de pack caché par soi-même 250 euros. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter chaque fois. Vous pouvez payer une fois et puis ça vous permet d'aller jusqu'à au loin. Par exemple, moi, j'ai payé 1000 euros, ça peut me permettre de venir jusqu'à atteindre le grade Topaz avec mes 1000 euros. Je peux atteindre ce grade sans rien payer de plus. Mais si le jeu veut devenir émeraude, là, il faut que je paye au moins 1500 euros de plus pour qu'ils puissent gagner 1% sur la 8e génération. Vous voyez là, etc., etc. Bon, bref, on continue. Donc, ici, je vous ai déjà décrit au PAL qu'est-ce qu'il faut avoir, 100 euros au moins d'achat personnel, 5000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, je l'ai déjà fait. Dans tout ça, la seule chose qui me fait que je ne suis pas encore passé sa fille, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Actuellement, je passe, on va voir au overview. Le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, c'est de combien? Le chiffre d'affaires est de 11 950 euros. Voilà. Donc, bientôt, il reste 4 000 et quelques pour que je passe Saphir avec 15 000 euros de chiffre d'affaires. OK? Ici, la seule chose qui me bloque à ce niveau, sur cette rangée, le montant payé soi-même, j'ai payé 1 000 euros, donc j'ai largement dépassé ça. Le nombre de filleuls, on me demande 4 filleuls, j'ai plus que 4 filleuls. Et puis, là, je n'ai pas, les montants ne viennent pas d'une seule branche. Donc, les conditions sont respectées ici. Et puis, la seule chose qui reste, c'est le chiffre d'affaires. Donc, quand vous avez mis le nombre de personnes qu'il vous faut, et puis vous avez mis l'argent qu'il vous faut, la seule chose qui va rester seulement, c'est le chiffre d'affaires. Vous voyez là, j'ai mis plus de 10 personnes. Donc, regardez ici, je suis qualifié pour un tel nombre de personnes, je peux aller jusqu'à Blue Diamond. OK? Bien. Quoi encore? Le côté argent, j'ai mis 1000 euros, donc ça peut m'envoyer jusqu'à ici, jusqu'à Topaz. OK? Mais si déjà, en une semaine, j'ai déjà plus de 1300 euros, hein, donc si on prend ici 2-3 semaines pour que j'arrive à Topaz, OK, j'aurais eu assez d'argent quand même pour pouvoir prendre une partie pour pouvoir augmenter pour passer à 2500 et être émeraude. Et pour ça, il va falloir que, bon, j'atteigne le chiffre d'affaires qu'ils font. On va aller un peu plus rapidement, vous avez compris comment les choses se passent. Donc, pour devenir Saphir, il faut 15 000 euros et puis 4 filleuls. Pour devenir Ruby, il faut 50 000 euros. Le chiffre d'affaires, il faut toujours 4 filleuls. Pour devenir Topaz, il faut avoir payé somme au moins 1000 euros total, plus 100 000 euros de chiffre d'affaires, et il faut avoir 6 filleuls directs. OK? Voilà. Et pour devenir émeraude, il faut 2500 euros. Voilà. Notez déjà que jusqu'à ce niveau,
Si vous prenez un réseau de 4 personnes, hein, 4 personnes, niveau 1 jusqu'au niveau 7, ici, où chaque personne parraine 4, 4, 4, à la 7e génération, OK? À la 7e génération, c'est autour de 262 000 membres. Si chaque personne parraine 4, 4, 4, 4, 4, jusqu'à la 7e génération, vous serez autour de 262 000 membres. Plus que ça, plus que 260 000 membres, si vous voulez. Alors, plus que 260 000 membres, 2%, si chacun paye 50 euros, c'est 2%, c'est beaucoup d'argent. Si chacun paye, je ne dirais que 100 euros, regardez 1% ou 2%, c'est beaucoup d'argent, mesdames et messieurs. Est-ce que vous voyez, vous pouvez un peu le potentiel qui est dans ce système? Les systèmes que j'ai, je ne vais pas citer le nom ici, mais dans lesquels, quand tu vas pour pouvoir miner, il faut que tu payes une somme d'argent et après tu payes encore une autre somme d'argent. Ici, ce que tu payes, ça sert à tout déjà. Ça sert à tout, ça commence à te créer des richesses déjà. Et donc, c'est quelque chose de bon. OK? Et donc, on va finir rapidement. Vous avez compris l'essentiel, comment on évolue dans les grades. Et. Donc, si un jour vous voulez aller loin, au fur et à mesure qu'il faut de l'avancer, c'est sur quoi il faut le plus travailler, c'est sur cette somme d'argent que vous devrez payer vous-même. Par exemple, moi, bientôt, mes 1 000 euros vont finir ici. C'est ici. Pas que ça a fini, mais si je ne fais rien d'autre, je ne peux pas avoir le grade émeraude si je n'augmente pas le montant que j'ai payé. Donc, cela veut dire quoi? Ils ont fait en sorte que vos membres en dessous de vous, plus ils gagnent ils ont des grades, plus ils gagnent beaucoup d'argent. Et comme les grades font gagner beaucoup d'argent, les gens vont upgrader, augmenter la quantité pour leur node. Ils vont augmenter la quantité. Plus ils augmentent la quantité pour augmenter les grades et gagner beaucoup d'argent, plus les pourcentages seront appliqués et vous ne serez qu'en train de gagner 10%, 8%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, etc., etc., etc. Là, ils ont mis TBA, c'est-à-dire to be annoncé, c'est-à-dire ce sera bientôt annoncé, ce sera bientôt annoncé, ce sera bientôt. Il y a beaucoup de surprises qui viennent. Mais mesdames, messieurs, notez une chose. Regardez ici les bonus qu'on vous donne. 500 BXN, 10 000, 2 500, 5 000, 10 000, 20 000, sans oublier les pourcentages que vous avez, 50 000, 10 000, ce n'est pas rien tout ça. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez gagner beaucoup d'argent. Quand on applique les pourcentages, c'est pour ça qu'ils vous demandent d'augmenter juste légèrement votre argent. Par exemple, si il faut 10 000 euros, avec ici 10 000 euros, OK? Après 25 000 euros, pour quelqu'un qui prend juste 1%, c'est beaucoup d'argent. Juste 1%, c'est beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Faites le calcul. Alors, je vais m'arrêter là. Vous avez compris l'essentiel. Je vais leur montrer le potentiel de leur team bonus, le potentiel de leur plan business. Voyez, vous pouvez donc former une bonne équipe d'affiliation et en une semaine réussir à réaliser de grands chiffres et avancer. Pour ceux qui sont des affiliés, voilà, je parle aux affiliés parce que c'est un système, ils ont un produit, un service, vous leur attirez de la clientèle, vous faites de l'affiliation, vous gagnez de l'argent. Aussi simple que ça. Voilà, c'est compris. Merci à vous. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, pourquoi pas. Voilà, et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.